Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui devrait, je pense, être une des plus extrêmes de ma chaîne, avec bien sûr celle où je me jette d'un barrage en saut élastique de 220 mètres de hauteur. D'ailleurs, encore merci Antoine pour le cadeau empoisonné. Et là, on repart sur un autre cadeau d'ailleurs que j'ai reçu de la part de ma famille pour mes 30 ans. Et on va tout simplement se jeter d'un avion qui est en train de voler. Donc voilà, baptême de parachutiste, ça va être juste incroyable. Alors même si ce serait super cool de pouvoir par la suite sauter solo et passer la... ce qu'on appelle la PAC, donc en gros le baptême de parachutisme, enfin la formation de parachutisme en tout cas. Mais bon là du coup, petite découverte de ce sport, et ce qui va être trop bien, c'est qu'on va faire ça avec mon poteau Denis, qui était là aussi d'ailleurs le jour du saut élastique. Et là on va sauter ensemble pour une première en parachute, donc ça va être juste trop bien. Petit domac en amont quand même, parce que je pense que le caca culotte va peut-être être un peu présent, donc on va essayer d'avoir un truc consistant dans le calbar quand même. Ben en vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre. Le saut à l'élastique, il a failli se jeter, mais voilà, l'expérience était juste incroyable. Là, je pense que de toute façon, on va pas avoir le choix. Le mec, il va nous caler dans la porte une fois que la porte de l'avion sera ouverte. Et puis, prêt ou pas prêt, il va nous pousser en dehors de l'avion de toute façon. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer. Je pense que les sensations vont être juste dingues. Et je pense qu'il y a un gros risque que ça me plaise énormément. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, la direction chez le poteau Denis. Et ensuite, direction Chambéry, puisqu'on va sauter chez Savoie Parachutisme. Donc juste au-dessus du lac du Bourget, entre Chambéry et Aix-les-Bains. Donc en plus de ça, le spot va être juste incroyable. Ce qui m'inquiète un peu, entre guillemets, c'est la météo. Là, on voit qu'il y a un petit voile nuageux qui s'installe. On va voir. Soit ça peut être super cool et on va traverser les nuages. Ça peut être juste une expérience de dingue aussi. Ou alors, j'espère que le saut risque pas d'être annulé à cause de ça. On va voir ce que ça donne. Let's go! Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu t'appelles comment? Yann. Eh ben, enchanté, moi, c'est Yann aussi. Sérieux? Ouais. Trop bien. Comment tu te sens? Mon petit Yann. Franchement, ça va. Ouais. Un peu stressé, mais... C'est une première. Ouais. Je fais du parapente à côté, donc je pense pas tout que... Tout seul sous voile ou en biplace? Non, tout seul sous voile. Voilà, bah voilà, ouais. Nickel, t'es habitué. Donc non, ouais, je suis bon, excité, il y a une petite pointe de pression, mais... C'est rigolo, mais je... Et voilà, quoi, on va voir. Impeccable. Let's go. Let's go, carrément. Qui part en premier, d'ailleurs? Bon, c'est à nous de choisir, ouais. Ou... Ouais, c'est pas mal. C'est moi. C'est toi? Bah vas-y. Allez, en premier, c'est toi en, ouais, premier. On part en quelle heure? Bah du coup moi en premier, on vient de faire un chiffre. Ah ok. T'as le loser. Je te lève. Oh putain! Bravo mec! Waouh, trop bien! C'est une dinguerie! C'est une cool. Dinguerie! Ouais, excellent, merci! Bravo. C'était excellent! La première seconde, t'as cette sensation, et après ça se stoppe, tu sens, enfin je sais pas, l'appui de l'air, c'est. Ouais, c'est ça! C'est, ouais, c'est excellent! Excellent!
Franchement, les mecs, vous faites un taf de dingue. On vend du rêve. Hein. Ah ouais, c'est ouf. On vend du rêve, c'est clair. Ah là 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 là. T'avais une pure position, c'est un pur sourire, ah, mais hyper expressif. Kiffé de ouf, c'était trop bien. C'était trop bien de sauter avec toi, bravo. Eh ben merci les mecs. Et bon anniversaire encore, cool. Merci Yann, ouais, pour les images. Ah bon, c'est la possible, balle ouais. Yeah. Trop à bien. Bientôt Yann. À bientôt les Ciao. Gars. Vous l'aurez compris dans l'intro, cette expérience était juste incroyable. Non, vraiment, c'était assez ouf. Ça se rapproche de rien que j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant. C'est un peu un mix entre le saut à l'élastique sur les deux premières secondes, comme je l'expliquais à la fin, où on a vraiment cette sensation de chute libre. Mais très vite, ça se stoppe. Après, on est en appui sur l'air et là, il n'y a plus qu'à kiffer pendant quelques minutes. Et après, un petit peu de parapente, entre guillemets, quand on est sous voile. Et là, vous pouvez demander à votre pilote soit d'engager des gros 3-6 si vous voulez vous faire kiffer, et si vous voulez que ce soit plus calme, bah, ça peut être juste un vol contemplatif sous voile pendant 4-5 minutes. Encore un immense merci à mes parents, mes frères et sœurs qui ont pu faire en sorte que je vive cette expérience, c'était juste ouf. Au passage, je sais pas si vous avez remarqué le t-shirt que je porte dans la vidéo, il est à l'effigie de l'association Nos Petites Étoiles, qui œuvre en faveur des enfants en difficulté de santé, qui, on va pas se mentir, n'ont pas un quotidien toujours très rose, et qui leur permet justement de vivre des expériences bah, typiquement comme celle-ci, du saut en parachute, des baptêmes en parapente. Donc voilà, ça les sort vraiment de leur quotidien, à la fois eux, leurs parents, leur famille autour, qui sont aussi bah, pris dans cette mécanique autour de la maladie, malheureusement. Donc eux, pour le coup, ils font vraiment un taf incroyable au quotidien, n'hésitez pas à aller checker leur site internet, réseaux sociaux et tout ça. Je vous mets tout ça bien sûr dans la description. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et surtout restez connectés. La semaine prochaine, 18h45, la vidéo qui sort va être elle aussi juste incroyable. Un de mes plus beaux vols en parapente, si ce n'est le plus beau. Donc restez connectés, abonnez-vous, le pouce bleu des familles et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!